Direction Tabac, vendredi qui était 13 septembre 2024. Direction Centrale Police Judiciaire, DCPJ. À travers section homicide, interpellé commissaire principal, Libenson Gauthier, qui était responsable juridiction Tabac. Il a arrêté tout, inspecteur principal Jean-Claude Aimé, qui travaille tout dans la même juridiction, ça, dans le commissariat Tabac, avec deux autres civils, qui c'est Robertson Antoine et Jean Roussler. Quatre interpellations ont été faites dans quatre enquêtes DCPJ à mener suite à l'exécution citoyen Hubert Colo, qui est un citoyen qui en même temps est un chauffeur taxi. Scène criminelle a déroulé dans Tabac 41, zone ambassade américaine, jeudi qui était 5 septembre 2024. Après plainte qui était portée, mettez sous témoignage en pile monde qui était dans la zone, et eh bien, il témoigné que véhicule service qui affecté avec le commissaire Livenson Gauthier était sous lieu scène crime. Selon information qui était de CPJ disposée, il y a un indice, surtout relevé téléphonique, qui montrait à clair que commissaire Gauthier était dans le parage là, dans le moment exécution victime. Comme responsable juridiction, il ignorait fait qui passait. Et puis, pas même produit un rapport sous ça, jusqu'à présent, c'est DCPJ qui est arrivé, saisi de dossier ça. N'a fait qu'on est pour Kounia, commissaire Livenson Gauthier, ancien responsable. Juridiction Tabac, li placé dans l'isolement. Faut qu'on dit tout, dossier ça, dans un petit temps tout coûte, pour le déférer devant l'autorité, la justice compétente. Dans même sens ça, nous voulons informer la population que l'opération qui a mené dans Badelma, centre-ville, spécialement dans le quartier Bel Air, Solino, Riel Maya, Delma D, a continué. Renforcer chaque jour. Alors, j'en que nous connaissons l'objectif de la conférence de presse, c'est sous question rentrée scolaire. Et nous saluons tout. Et l'équipe et du Pola, nous voulons parler de police communautaire qui est ensemble avec nous. Et nous saluons également les représentants de CPR qui l'a ensemble avec nous. Et m'a dit un grand merci à porte-parole principal là, commissaire divisionnaire Michel Eugène, qui introduit moi matin dans la 4 première conférence de presse que m'a fait. Conférence de presse mardi 1er octobre 2024. Disposition police nationale d'Haïti prend pour entrer année académique 2024-2025. Police nationale d'Haïti rencontré avec la presse matin, dans l'objectif pour informer la population en général, la presse en particulier, sous ensemble dispositions PNH là adoptées sur tout territoire national là, dans l'occasion d'entrer l'école là pour l'année 2024-2025. Là. Direction circulation police routière, DCPR, dans le niveau circulation, il y a renforcement présence policière. Surtout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans plusieurs points stratégiques, la population a remarqué les policiers de CPR. Non seulement cap faciliter la circulation sur tout axe routier, ça cap permet tout de limiter l'accident, mais tout pour protéger tout le monde qui circule sur la voie publique, particulièrement élèves d'école. L'important pour nous faire la population connaît que dans 4 mois, il y a plusieurs séances de formation PNH l'a réalisé dans quelques régions dans le pays, dans le département nord-ouest, pour chauffer camion, taxi, moto, sous principe conduit et puis comportement doit gagner dans la période d'école
surtout dans les stratégies avant l'école rentrée, après l'école a terminé. Police communautaire et du bol. Dans quatre mariages, police population, ça nous est le MDPA, que le directeur général de la police, là, M. Domil Rameau, initié depuis l'arrivée dans la tête de la police, là, police communautaire éducative et du bol, a un rôle important de jouer dans rapprocher chaque jour plus la police, là, qui prête population. Dans le cadre, c'est ça qui fait police communautaire éducative et d'IPOL mobilisée pour accompagner et puis assurer sécurité parents, élèves, professeurs. Dans le cadre d'accompagnement, ça, et d'IPOL a bien agent qui fait patrouille, des policiers qui déployent sur motocyclette avant l'école de rentrer. N'a fait remarquer après l'école de fin d'entrée, travail et du bol. Ça nous met les polices communautaires là, n'est pas campé. Des patrouilles captionnées la rue. Bon, l'école a l'idée pour surveiller si pas un élève qui a profité pour moi l'école là, avec uniforme sur l'eau, pour aller prendre, pour aller faire activité de délinquance. Pendant que je n'ai en tout, et du bol réalisé séance sensibilisation en dedans l'école avec élèves pour sous diverses thématiques tant pour éducation civique sensibiliser jeunes sur rôle et implication yo ka jouer dans communauté yo dans moment renvoi l'école yo dans mi-temps journée et du bol toujours été mobilisé pour garantir sécurité élèves yo parents professeurs dans l'idée pour faciliter au plan chemin la caille. Nous connaissons bien nos affaires sécurité pas seulement gagner avec la police. C'est ça qui fait dans pire au niveau l'état, autorité au plan bon genre disposition pour permettre rentrer l'école arrivée possible à l'ISA. Qui donc samedi qui était 28 septembre 2024 là, gagne une grosse rencontre qui était organisée dans local ministère de l'Éducation nationale, qui était réuni, ministre de Justice et Sécurité publique là, ministre de l'Éducation nationale là, ministre de Travaux publics là, inspecteur général en chef PNH là, directeur central police judiciaire, directeur central police administratif là, directeur départemental OS1 et OS2, représentant différentes unités spécialisées dans la police. Dans la rencontre, il y a plusieurs mesures qui sont adoptées. Côté chaque entité, bon côté Payo, prend engagement pour jouer partition Payo. Le ministère des Travaux publics a gagné pour faire intervention dans l'aménagement des tronçons de route et assainissement. Le ministère de l'Éducation nationale met l'accent sur la relocalisation de certains établissements scolaires. PNH là a mis tout en branle pour assurer libre circulation tout acteur qui concernait dans affaire l'école. Sous instruction commandant chef PNH là, M. Domil Rameau a un plan stratégique qui élaboré et qui adopté qui impliquait diverses entités dans PNH là, une façon pour assurer sécurité élève, parents, professeurs et tout l'autre acteur dans la chaîne éducative. Dans le niveau de toute juridiction policière, il y a une instruction formelle qui passe avec responsable sur tout le territoire national pour capable prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de réouverture de l'école. Exemple, dans le département NIP, il y a plusieurs patrouilles pour renforcer, il y a plusieurs fixe aux alentours l'école yo dans le département sud-est, département sud, Grand-Anse, Latibonite et tout l'autre département en dedans pays qui concerné. Toujours dans quatre mesures qui adopté yo, il y a instruction qui passait avec responsable juridiction yo pour rencontrer et puis discuter avec responsable établissement scolaire yo dans l'idée pour prendre connaissance des problèmes internes
l'école, qu'on fait face surtout dans le niveau sécurité, réfléchir ensemble sur le problème et puis chercher ensemble éléments sous solution. Pendant que la police nationale d'Haïti a travaillé pour préparatif rentrer l'école là, il faut qu'on dise tout, bataille contre grand banditisme là, il n'est pas campé. PNH là continue à faire opération avec intervention policière dans l'objectif pour craser tout foyer gang tout partout dans le pays pour permettre l'ordre et la paix capable de rétablir dans tout le pays. Dans ce sens, la police nationale d'Haïti a fait plusieurs arrestations. Dans le département Nord, dans la nuit 23 pour l'ouvrir 24 septembre 2024, là, la police menait une opération contre une gang qui a opéré dans la zone Thibault, dans la commune Milo. Il y a 4 individus qui sont mortellement blessés dans trois coups de zame avec la police. Parmi eux, il y a un chef gang qui relève Macorel et Siponi, qui a dirigé l'association criminelle Sahara, qui est mortellement blessé. Gang Sahara est spécialisé dans le kidnapping et bien impliqué dans plusieurs actes d'assassinat dans plein Dino. À Cap-Haïtien, la police confisqué un pistolet, un revolver calibre 38, une arme à fabrication artisanale, deux couteaux, plusieurs cartouches différents calibres. Il y a 30 individus qui jouent à l'arrestation. Nous avons souligné la police mène opération Sahara dans le cadre d'enquête qui l'ouvre tout de suite après l'assassinat du directeur départemental Office Migration dans le Cap-Haïtien, qui c'est M. Augustin et Kerwin, dans la date qui était 18 septembre 2024. Toujours dans l'ordre, la police dans la commune Limbé, dans le cadre d'une opération, yo mené dans la nuit 27 pour l'ouvrir 27 septembre 2020, 28 septembre 2024 là, dans une zone qui est le soleil levé. Côté qu'il y a deux présumés bandits qui mortellement blessés dans le cadre d'échange de tir avec Force Lodge, qui c'est Valdano et Morgan et Siconi. La police confisque des armes et des téléphones portables. Parallèlement, il y a 4 autres individus qui jouent à l'arrestation dans le cadre d'opération que la police mène dans la zone Limbé, qui c'est César Fleury, 21 l'année, André Joniel, 33 l'année, Pierre Woodson, 18 l'année, et Saint-Il Doudlin, 28 l'année. Individu ça fait partie d'un gang qui relaie le police que PNH a cherché activement pour implication dans plusieurs vols et examens commettent dans la commune Limbé. Faut que nous dit tout, pas longtemps, même gang ça qui volait plus passé 1 million de gourdes à 8 000 dollars américains sur un commerçant dans la commune Limbé. Selon l'information de la police dans Limbé, disposé, Morgan ainsi connu, c'était 10e chef gang qui relait le police là. Dans le département centre, la police dans le département ça a arrêté Germain Magnon et James Fortuné, qui sont 2 évadés de prison pénitentiaire nationale suite à l'attaque gang armée qui a fait sous prison dans le mois mars 2024 qui sont passés là. Faut qu'on fasse remarquer Saint-Germain Magnon est impliqué dans le dossier Cargaison ZAM, l'église épiscopale. Dans le département de la Tibonite, samedi qui était 28 septembre 2024, là, précisément dans Gonaïve, dans le cadre d'une opération, la police menait James Grilly alias John Billy, qui est mortellement blessé dans l'échange coup de balle avec la police. Et puis qui était accompagné de plusieurs autres acolytes qui étaient échappés pour lui. On a rappelé que James Prilly fait partie d'une association criminelle à l'île gang Kokorat sans race qui était impliqué dans divers actes. Tant pour bouler plusieurs bâtiments, institutions publiques, paquets Gonaïves,
la mairie avec un véhicule, la police nationale d'Haïti, dans Gonaïve. La police a cherché James Kelly suite à un mandat, la justice t'a émettre contre lui. Après une ordonnance, cabinet d'instruction criminelle première instance Gonaïve t'est sorti, qui t'a voué individu ça à le juger narcissique criminel pour actes qu'il t'a commettu. Dans le département sud pays, précisément dans Saint-Jean du Sud, la police possédait à l'arrestation Germain Maslin, qui est chef gang qui relait l'armée Timanchette, qui a opéré dans la localité qui relait Vilbi, dans Saint-Jean du Sud. La police qui veut mettre les mains sous tout sous chef gang ça, c'est grâce à la collaboration mariage police-population. Dans la commune Gressier, plusieurs unités, plusieurs agents dans l'unité d'élite qui se soit, qui sont dans la police là, tabli basé dans Gressier depuis quelques temps, et puis mener une opération, et puis mener opération pour capable traquer et mettre en bas de bandits qui empêchent les membres de la population de fonctionner dans l'activité. Pendant l'opération avec intervention policière, qui a poursuivi dans la commune Gressier, agents soit ont crasé diverses barricades et pièges malfois ont été pour être capable d'empêcher la police de progresser. Mettez sous ça, voyant policiers nous fait pénétration dans plusieurs cailles que les bandits ont été utilisés comme cachette pour commettre des actes criminels. Agents l'audio qui jouent un support citoyen dans la zone Gressier, dans quatre mariages police-population que le directeur général de la police a terminé ensemble avec l'IA, commencer par bon genre résultat et puis créer l'espoir la caille moun Gressier. Dans la juridiction d'Elma, la police dans la juridiction d'Elma a arrêté dans la date 19 septembre 2024 qui s'est passé là, Johnson Antoine dans la zone Gérald Bataille, individu ça, c'est membre actif gang criminel 400 Marozo qui a opéré dans le Croix des Bouquets.